Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, petite vidéo pêche miraculeuse. Je sais, ça fait ultra longtemps que j'en ai pas faite. Là, on va essayer de se remotiver un petit peu à pêcher. J'attendais de drop un bon petit poisson pour pouvoir commencer l'épisode en beauté. Ça y est, c'est fait les gars. On drop un petit goujon caille, tchal mystique. Donc voilà, c'est parfait, hein. Bah là, c'était le deuxième poisson. Clairement, je viens d'arriver et j'ai plus de goujons caille que de goujons normal. Donc c'est cool. Donc ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir de repêcher un petit peu. Là, je suis motivé. J'avais déjà pêché, hein. Je pêche pas que dans les séries de vidéos comme ça. Je pêche aussi un peu en dehors. J'avais déjà chopé pas mal de petites choses. Mais voilà, j'avais plus trop. Je pêchais plus tellement des masses non plus. Donc voilà, il fallait retrouver un petit peu ce petit peps pour la pêche, parce qu'il faut avouer quand même que c'est un petit peu relou. Là en ce moment, on est encore en pleine quête du Dofus, enfin, etc. Voilà, il y a pas mal de choses. Et voilà, je me suis dit, ça détend un petit peu. Je fais d'autres choses à côté. Voilà, on mate des petits streams et tout. Du coup, les gars, je vais vous expliquer un petit peu le principe de cette vidéo si jamais vous la connaissez pas. En fait, c'est simple, je vais pêcher. Et dès que je tombe sur des bons dévoreurs, donc pardon. Ce que je considère bon dévoreur, c'est Cralat et Grevette pour la mer. Et en rivière, ça sera Goujon, Bar et pardon, j'ai perdu le. Et Carpette. Voilà, donc on va focus cela. Donc à chaque fois, dès que je tombe sur un bon dévoreur, bon tchal ou pas, je le filme et puis on regarde si bah on drop un petit poisson. On regarde ensemble et voilà. Je vais vous montrer les gars juste avant de couper et vous retrouver à chaque bon dévoreur. Voilà, ce qu'on a chopé un petit peu, donc ça c'est un peu un cumul de plein de choses qu'on met de côté, qu'on servira peut-être pour crafter soit des voiles d'encre. Voilà, je vais pas vous montrer, mais soit des voiles d'encre ou autre. Pour le moment, on les garde tranquillou. Donc voilà, deux cralas, ça c'est bien. Deux carpettes, un petit bar, deux goujons, une grevette. Et d'autres petits poissons pas terribles. Et voilà les gars, du coup bah maintenant j'enchaîne les petits poissons et je vous retrouve à chaque bon dévoreur. Voilà à toutes. Allez les gars, un petit dévoreur de bar. Bon, c'est juste tchal arachnophile, pardon, 10% en plus. On va regarder ça. Donc rien du tout les gars. Alors juste pour la petite info, ce que je vous conseille un petit peu quand vous pêchez, je retire le gilano, je mets un petit anneau loupine. Bon, il y a sûrement mieux, mais bon, voilà. Et je remets le cac surtout quand c'est des bons poissons. Et aussi, actuellement, on est métier 87 pêcheurs. Donc voilà, ça avance tranquillou, mais là, c'est hyper loin à ce niveau de montée pêcheur. Donc voilà, les gars. Allez, on continue. Allez les gars, dévoreur de grevettes, tchal mystique, comme pour le goujon. On va voir si ça va nous faire drop. Let's go. Eh non, rien. Dommage les potes. On continue. Bon les gars, dévoreur de bar, tchal perdu de vue. C'est parti. Est-ce qu'on va dropper un petit bar les potes? Non, rien du tout. Encore un bar, pas de tchal malheureusement les gars. C'est parti, je le tue direct. Est-ce qu'on va dropper? Non. Toujours rien, on continue. Encore un bar, les gars. Tchal, circuler. J'ai fait un petit cessez à la chance, donc là je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien le drop. On va regarder ça. Ah non, dommage. Allez, on continue, les potes. Dévoreur de Krala, les potes. On part un peu en mer là. On va voir ce que ça donne. Tchal nomade. Bon, pour le moment, on n'a pas des gros gros tchal, mais bon, c'est pas grave. On les fait quand même. Allez, et. Pas de cralat unique du coup. On continue pas tranquillou. Allez, ça sera un petit dévoreur de goujon. Tchal Blitz, les gars. Du coup, on va se faire ça tranquille. Là, c'est un bon tchal pour une fois. Merde, je voulais. Parce que j'ai peur qu'il tue le coffre là. Du coup, je voulais coru. Pour passer un petit coffre en plus. Un petit tour en plus. Mais c'est bon, ça passe, les gars. Allez, bah, tchal Blitz. Et on va voir ce que ça donne. Hein. 75% en plus. Allez, let's go. Oui, les gars. Yes. Un goujon caille en plus. Parfait, le deuxième de la vidéo. Nickel, il est beau, il est tout beau. Voilà, parfait les gars. Du coup, bah ça nous en fait deux. Voilà, nickel. Et bah écoutez, c'est top. C'est top, c'est top. Bah du coup, on continue encore un peu, hein, les gars. Allez, c'est parti à toutes.
Allez les gars, dévoreurs de carpe, tchal économe. On les aime bien, ces petits tchal. C'est parti les gars. Allez, une petite carpette, ça ferait plaisir. Et non, dommage les gars. On continue encore, à toutes. Allez les gars, encore un petit goujon. On a déjà eu deux dans cette vidéo, ces tchal versatiles. Allez, est-ce que les goujons vont continuer à porter chance les gars? Non, dommage, pas sur celui-là. Encore petit dévoreur de carpe, on a tchal perdu de vue. Allez, c'est parti, petit tchal cette fois. Et malheureusement, pas de carpette, les gars. Allez, un petit dévoreur de barre, les gars, ça fait longtemps. Tchal versatile, c'est assez rare les barres. Allez, let's go. Est-ce que ça drop? Non, dommage. Allez, les gars, encore un petit barre. Voilà, il suffisait de dire que c'était rare pour en avoir un autre. Tchal barbare, let's go, on va essayer les gars, on va essayer de pas mettre de coffre du coup, voir ce que ça donne. 60% quand même il me semble, donc allez pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas les gars, et non, dommage, je sais pas si c'est plus worth de mettre un coffre et pas faire tchal ou de faire tchal, on saura jamais. Et on enchaîne les gars. Allez, dévoreur de goujon les gars, tchal mystique, let's go. C'est parti, allez, non, dommage. Pas de goujon. Allez, on en fait encore, je pense, 2-3 les potes. Et ça sera tout pour cette vidéo. On continue. Allez, encore un goujon. Pas de tchal, les gars. C'est intouchable. Dommage. On va voir ce que ça donne. Allez, on va lui mettre une petite corue. Comme ça, on a un petit tour en plus pour le coffre. Allez, let's go. Est-ce qu'on va drop un troisième goujon? On va voir ça de suite, les gars. Non, dommage. Pas de deuxième goujon. Et bon allez, on se fait une dernière petite aggro les gars et on s'arrêtera là. Allez à toutes. Dévoreur de grevettes les gars. Bon, il n'y a pas de tchal du coup, on va pas se quitter sur ça quand même. Ça serait un peu dommage. Du coup, bah allez, on se refait aggro une fois pour un... Merde, c'est pas celle-là. On se refait aggro une fois sur un bon dévoreur avec un tchal. Et ça sera tout pour cette vidéo les gars. Les potes, pardon. Allez à toutes. Allez les gars, ça sera dernier dévoreur pour cette vidéo. Retour de la pêche miraculeuse, j'espère que vous avez kiffé en tout cas les potes. On a quand même chopé deux beaux goujons et voilà. Donc là, on va finir sur un petit grevette. Puis tout à l'heure, je me fais pas trop aggro. Ce qui est chiant en mer, c'est que je me fais beaucoup aggro par des trucs de merde, crabe et tout. Donc là, ces petites grevettes, tchal, fossoyeur, juste on va laisser un petit tour de coffre en plus. Là, il a fait des bons jets en plus le coffre. Donc, why not, les gars? Allez, on va regarder ça de suite. Et puis voilà, on va quand même regarder un petit peu les prix des goujons, du coup, de ce qu'on a eu. Ah aussi, j'ai aucun rien drop. J'ai aussi... alors, attendez, j'ai un petit sac, je suis trop lourd. Ah, j'ai aussi pêché ça en naturel, les gars. Enfin, juste comme ça, parce que vous pouvez aussi pêcher des poissons rares juste en pêchant, pas forcément sur les dévoreurs. Et tout à l'heure, j'ai chopé aussi un petit poisson tigre, mais voilà, je n'ai pas filmé parce que c'est un peu naze. Tout simplement les potes. Alors du coup, allez, on va aller voir un petit peu les prix des poissons en ce moment. Même si bon, pour l'instant je compte les garder, sauf si vous êtes ultra intéressé. Bon, déjà pas de goujon. La carpe est à 3M. Le baryton à 1,2 million. Ça je pense c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas ouf. Le krala à 2,1 million. Il n'y a pas de goujon caille malheureusement. Le seul qui aurait pu nous intéresser, il y est pas. Bon bah tant pis les potes. Certaines sombres, je sais que c'était pas mal aussi. Bon bah tant pis. Du coup bah c'est pas grave, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo de la pêche. Hop, je vais tout mettre sur ma DD poisson rare. Hop hop. Et les deux petits goujons. Voilà les potes, du coup ça nous fait une bonne petite collection de poissons. Voilà les gars, sur ce j'espère que vous avez vraiment kiffé ce petit retour de la pêche miraculeuse. Et bah moi ça m'a fait plaisir, franchement on a repêché bien et tout là, c'était plutôt sympa. Hop, 88 et bientôt 89. Hop, on va dire salut quand même. Et voilà, donc bah du coup les potes, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit sur la pêche ou autre chose. Je vous fais des bisous, j'espère que vous avez kiffé. Et bah dédicace à toi, Mookie. Et puis voilà les potes, sur ce, à très vite, c'était Vampix, ciao tout le monde.